Les mecs se sont dit, on va prendre Resident Evil, on va faire un jeu sur une base Resident Evil, mais au lieu de foutre des zombies, on va juste mettre des putains de mannequins flippants. Hey yo les crocs, c'est Toshikro et bienvenue aujourd'hui sur un Indie Horror Games. Je vais beaucoup mieux, je suis plus malade, tout va bien, on peut reprendre l'horror game. Donc on se retrouve aujourd'hui sur Colina Legacy. Qu'est-ce que Colina Legacy? C'est un indie horror game qui fait très penser à Silent Hills ou Resident Evil. C'est un peu ce délire là. Sauf que, regardez dans l'écran d'accueil là, il y a des mannequins. Alors j'imagine qu'ils seront dans le jeu. En tout cas, les crocs, c'est parti! This experience is a small part of the final product. This is a work in progress and might present bug. Ok, donc cette expérience n'est pas le jeu final, mais ils sont en train d'y travailler. Le jeu devrait sortir très bientôt. Et nous jouons, on dit, oh, putain, mais regardez-moi ça! Quelle beauté! On va augmenter un peu le son, parce qu'on est des dingues. Oula, non, peut-être pas aussi fort. Là, c'est bien. Mom, ok, donc notre mère n'est pas à la maison. Elle ne peut pas nous faire à manger. Eh bah écoutez, mais putain, mais c'est plutôt sympa tout ça. Alors qu'est-ce qu'il y a dans le frigo du coup? Vu que maman veut pas me faire à manger, je vais devoir me débrouiller tout seul. Alors je peux pas prendre ce bout de papier pour le moment. I cannot pick up this item right now. Perhaps I had a backpack. Donc il me faut un sac en fait. Il me faut un sac pour ramasser les choses qu'il y a ici. Oh là là, mais regarde-moi ça, cette maison. Fais chier. Des putains de mannequins, ça encore. Bon, on va pas aller à l'étage tout de suite. On va pas aller à l'étage tout de suite. C'est quoi ce bruit là? Oh! It's locked. Merde. C'est bloqué. Un ancien téléphone, je devrais peut-être essayer d'appeler quelqu'un avec. Bah vas-y, mon pote. Qu'est-ce que t'attends là? Tu vois pas que t'es en situation de danger? Bon, il veut pas appeler. C'est pas grave, on va monter direct du coup. Eh, on fait les fous. Qu'est-ce qu'il y a ici? Ah! Attendez, on va peut-être réussir à ouvrir une porte dans ce jeu. Yes! Allez, le sac. S'il te plaît, le sac. Oh, une lampe torche. Bien, bien vu. Wow! Nous enfermer. E, torche, ok. Comment je fais pour utiliser? F. C'est quoi ce truc? What? Ah, il est là! Yes! Succès déverrouillé. Et ben voilà, tu vois? Ça, c'est un succès, les crocs. Allez, bah du coup, on va ramasser tout ce qui est... c'est quoi, c'est un chargeur? Bah vas-y. Et des piles? Bah vas-y. Qu'est-ce qui... C'est un espèce de médaillon. Espèce de pièce. Ça va peut-être nous porter bonheur, les crocs, dans ce jeu, j'en sais rien. Old God's Amulet. Une amulette d'un ancien dieu. Ok, donc en gros, grâce à cette amulette, on a une espèce de... Voilà, de pouvoir, là, qui repousse les esprits, en gros. De ce que j'ai compris, hein. Ouais, ok, bon, bah écoute, vas-y, hein. Vas-y, mon pote, hein. Explose-les, ces enfoirés. Alors, ici. Si je vise... Ah! Oh! Oh oh! Et j'ai l'impression d'avoir entendu du bruit en bas. Ou alors c'était juste mon imagination. Alors est-ce qu'on peut rentrer du coup? Yes! Un dessin. Migraine and mommy. Moi, grand-mère et maman. C'est donc le dessin de Alex, je sais pas qui c'est. Et il se passe des trucs quand même chelous chez nous, hein. Vous avez pas la. Je sais pas s'il se passe la même chose chez vous, les crocs, mais putain. C'est flippant là. Bon, on va redescendre, les crocs. On va redescendre. Putain, mais qu'est-ce que c'est glauque chez nous? Jamais je pourrais... Putain. Eh, ils ont carrément barricadé leur porte d'entrée. Mais c'est quoi cette famille, là? Mais qu'est-ce que tu fous, là, mec? D'ailleurs, t'es qui, toi? Oula. Mom? Oh, putain. Un mannequin! Je le savais! Enfoiré! Alors, lui, il va se lever, c'est sûr. Lui, il va se lever, c'est sûr. Mec, fais pas le con. Il va... Il va se réveiller. Il va se réveiller. Je ne lui tourne pas le dos. Je ne lui tourne pas le dos. Ah! Je m'en doutais. Enfoiré! Ah! 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 Aïe! Oh! 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 Oh!
J'ai pas dit mon dernier mot. On y retourne. Oh putain, faut tout recommencer. Ah les cons. Allez, viens là, démon. Je t'attends avec ma lampe torche du futur. Attention. Tiens. Oh, putain. Oh. Mais va te faire. Oh, je t'ai eu. Je t'ai eu, saloperie. Mais tu me bloques. Tu... Non. Je suis bloqué. Non, c'est une blague. Je suis bloqué pas... Non. Non. Je suis bloqué dans le four. Non. Non. Bon, je crois que le four nous a baisé. La blague. Les creuses. J'ai quitté le jeu, j'ai relancé le jeu, et ça me remet ici. Avec mon ami l'œuf. Non, c'est une blague. Je vais devoir tout refaire. Putain, je vais devoir tout refaire. Bon, on reprend. Je viens de tout refaire. Si je meurs, je pète un plomb. Je vous le dis. Hein. J'ai laissé la lampe allumée. Comme ça, au moins, on est sûr. Tout va bien se passer, les creuses. Ah, c'est parti. Ah. C'est bon, on l'a eu. On l'a eu. Pas de bug. Pas de bug. Yes. Alors, qu'est-ce que tu vas faire, saloperie de four? Qu'est-ce que tu vas faire, enculé? Putain, c'est bon, on l'a eu. Wouh. Run. C'est marqué run. Pourquoi je devrais run? Ah, faut peut-être run dans la porte pour passer dedans à la gare d'Harry Potter, non? Non, ça marche pas. Quoi? 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 Y'a personne! Oh putain! Il se passe quoi là? Ouh! On y va! Tiens, saloperie! Alors je sais pas où t'étais caché toi, mais putain, tu devais être en haut à mon avis. Alors du coup... Oh! Le téléphone! Vas-y, réponds mec! Mais on essaie de m'appeler, je réponds même pas. Oh putain! Oh putain, la lumière! La lumière, la lumière, la lumière, la lumière! Pourquoi la lumière s'est éteinte là? Follow the white rabbit. Ah, il y a des petites papates. Y'a pas de rabbit ici? Le rabbit est peut-être en bas du coup. Rabbit! Oh attendez, y'a un truc là. Y'a un truc. Granny Joey Box, I always wanted to open the Osmonger and tour code. Ah, il nous faut un code. Bah, je n'ai qu'une info. Alors ça correspond exactement, j'ai qu'une info dans ce jeu. Et vous aussi. On a le nom Alex. Alors vu qu'il y a 4 lettres, ça me paraît assez évident. On va essayer. Mais je pense, sans surprise, que c'est ça. Voilà, voilà, on va pas se mentir, hein. Succès déverrouillé, obvious. Même le succès le dit. C'était simple. Dining room key. Ah, on a la dining room key. Yes. On y va. C'est en bas que ça se passe. C'est ici. Allez. Là. Vite. Succès déverrouillé, hein. Non! Ah, les enculés! Ah, bien joué! Bien joué! Eh bien, écoutez, les crosses, fin de Colina, donc Colina Legacy. Le jeu devrait sortir courant 2017. Alors, j'ai joué 20 minutes, j'ai rencontré 3 bugs. Mais ils avaient prévenu avant de jouer qu'on pouvait rencontrer des bugs. Écoutez, j'ai une certaine hype pour ce jeu parce qu'il y a un univers, il y a quelque chose. Il y a un petit truc. Mon flair de croc le sent. Il y a un truc dans ce jeu. En tout cas, j'attends donc sa sortie avec impatience. J'espère que ça vous aura plu, les crozes. N'hésitez pas à lâcher votre plus gros pouce bleu sur cette vidéo, les crozes. Ça me ferait très plaisir. Encore une fois, merci aux tipeurs pour votre générosité. On se retrouve très bientôt pour de prochains Rogue Games. Ciao!